Rebonjour à vous, on est parti donc sur un autre épisode de Stardew Valley, donc pour ce petit dimanche. J'espère que vous passez une très bonne journée, et apparemment ça va être une très bonne journée également pour nous sur le jeu, puisque on récolte un maximum de melons, et vous savez que les melons se vendent super bien dans ce jeu. Alors hop, et donc on a pas mal de choses à faire, on va devoir préparer le changement de mois. On va... Bah tiens, le melon là, il a intérêt à pousser demain, s'il est pas fait demain, il est perdu. Donc comme d'hab, le hops se chope chaque jour. On va vendre un petit peu. Quoi? J'ai fait peur à... J'ai fait peur à deux corbeaux. Qui a fait peur à deux corbeaux? Nous? Tiens. Oups, non. Plutôt là. Bizarre qu'ils me disent pourtant j'ai mis Ah, c'est peut-être que j'ai cliqué sur lui sans faire exprès, peut-être. Ok, ça je le mets là au cas où, hein, donc s'il pleut ils auront à manger. On a nos deux œufs. Alors oui, on a des choses là-bas, à chaque fois j'oublie, c'est pas grave, hein. J'ai vraiment pas besoin, j'ai trop de choses à faire, je peux pas tout faire. Ok, alors. Du coup, non, c'est plutôt là-bas qu'il faut aller pour les vendre. Donc on va vendre toi, on va vendre toi. Ça on le garde, lui on va le garder. Et donc avec ça, on a maintenant... 5 barres de fer, donc les autres barres, bon, on va les mettre de côté, je vais plutôt faire des barres de cuivre pour améliorer mon autre outil. Donc non, c'est celui-là. Et là on va choper du cuivre. Bon. On va arroser un petit peu, je vais pas trop arroser parce qu'on va tester le nouveau, le nouveau arrosoir. Par contre, ça, ça c'est fichu, celle-ci. Elles ont mis trop de temps à pousser. Je sais même pas c'est quoi. Ok, la barre est faite. Je l'arrose juste pendant que on fait nos 5 barres. Hein, donc, je... Hop. Je me demande ce que l'arrosoir amélioré va faire. J'espère juste que j'ai assez d'argent d'ailleurs pour ça. J'ai 13 000, donc je pense pas quand même que ça coûterait plus. Ok, la barre est faite. La suivante. Donc ça nous en fait 2. Maintenant, on commence la troisième. Bon, toi, je t'arrose. Hop. Finalement, j'aurais peut-être fini d'arroser avant qu'elle soit toute faite. Vu qu'on n'a plus grand-chose, en fait, maintenant, vous voyez. Non, hop. Donc là, ça nous en fait 3, encore 2. Et ben, on a fini. Donc, la dernière, du coup, bah, je vais recreuser un petit peu pour préparer pour demain. Pour après-demain. Tout ça, c'est de l'énergie, mais bon, pas grave. Donc là, je vais pas planter des nouvelles en dehors du maïs, peut-être. On verra. Normalement, c'est fini. Ouais. Va-t'en, toutou. Alors, oui, c'est lui, d'accord. Il nous dit qu'il a fait fuir 2 corbeaux. Et lui, 2 corbeaux également. Bon, bah, bon boulot, les gars. J'ai arrosé là. J'ai oublié. Je suis là. Ok.
Donc on a les barres. Je crois que c'est bon. Est-ce que j'ai les outils? Il me faut l'arrosoir et il me faut la pioche que je vais améliorer. Ok. Ah bah tiens, regardez qui c'est qu'on croise. Je vais juste te dire bonjour. Ah, il y a eu un bruit. Oui, on a gagné un cinquième cœur, génial. Alors oui, il faut que j'améliore ma relation avec la fille chez qui le maire a été. Mais bon, j'ai juste pas le temps d'aller la visiter. J'ai pas grand chose à faire dans cette partie de la ville. Donc peut-être on gardera ça pour plus tard. Alors tiens, on va aller là. Toi. Ouais, nouvelle récompense, alors on en a, je sais pas combien on en a. 2, 3. Il y en a 9. Ouais, on est loin du total. Hein. Cool. Petit peu d'art pour la maison. Ah, j'ai oublié de faire des œufs, pas grave. J'ai bien les 5 plaques, ouais. Bon. Améliorer un outil. Je voudrais améliorer l'arrosoir 5000. D'accord, j'ai le choix entre les deux. Ça serait pas mal, peut-être lui éventuellement. Mais d'abord l'arrosoir. D'abord l'arrosoir. Ok, go. 5000, ça fait mal au cœur, mais bon, ok. Ah, c'est un à la fois. Ah, l'arrosoir avant la pluie. Ah, bah c'est pas grave. Mais de toute façon, ça ne sert à rien d'arroser demain. Ouais, ça ne sert à rien d'arroser demain. Heureusement que j'ai arrosé avant, parce que là, si j'arrose demain, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, les plantes vont disparaître. Donc elles ne vont rien donner le premier, et on va récupérer l'arrosoir le premier. Ah, ok, là, ok, je me rassure. Génial. Bon, du coup. Tout ça est beau, on va rentrer chez nous. Ou bien on peut profiter du reste du temps pour aller faire un petit tour dans la grotte. Hein. Toujours, ouais, je me dis, pour avoir un petit peu plus de fer. Je veux juste assez de fer pour un autre outil. Donc de toute façon, on en a besoin. J'ai des choses sur moi, mais j'ai suffisamment de place. Et il nous reste pas grand chose pour la journée. Donc de toute façon, on va pas y rester trop longtemps. Faudra que j'aille voir également là-bas ce qu'ils pourront faire pour notre ferme, qu'on pourra améliorer. Je pourrais virer le lance-pierre, il sert à rien franchement. C'est trop relou de viser avec. Donc je cherche du fer, hein. On ignore le reste. Il va falloir péter quelques petites choses pour... Ok, pour descendre, pas le choix. Là, on a une petite zone, donc ça devrait être rapide. Théoriquement. La slime parfois. Ah. Ah là, t'es bien coincé. Alors j'aurais bien aimé avoir la nouvelle arme, mais bon. on va y aller méthodiquement. On va partir, il ne va plus avoir de temps dans la journée et on n'aura même pas... Ah, on a eu un peu de fer, on aura pratiquement pas eu de fer. C'est pas vrai.
Va falloir que je voie combien ça coûte de faire un escalier là, parce que... $99 de rush, ok. Ah bah quand même. Tu me laisses pas le choix toi. Hein. Je dois te tuer. On continue. Ouais. Ah bah tiens, pile au bout. Alors, du coup, toi, je vais devoir te tuer vite. Eh mais du calme les gars là. Il y en a 15 000 qui arrivent là. C'est quoi cet stage? Alors c'est... Ça me gêne vraiment de pas pouvoir me déplacer quand j'attaque. Je compte vraiment sur ça en général pour me pour être plus agile, mais là on est un bloc hein, quand on est en combat. Ah, m'a touché quand même. Ah, on peut même pas tourner. Il y a que du monstre. Ah, j'ai un Dwarf Scroll 2. C'est quoi ça? Ramasser. Est-ce que ça compte comme un insecte les choses là? Je pense pas. Il est bientôt 19h. Allez, meurs. Ah, et là, on a quelque chose de rare. Et ben, dis donc, en fait, il faut tuer les ennemis hein, pour pouvoir ouvrir une échelle. Enfin, pour faire découvrir une échelle. Peut-être toi, tu vas nous la donner? Non. C'est quoi là? Pourquoi il y a ce signe? Ah, ok. 48e. Va falloir faire gaffe, je vais sûrement partir très vite. Ouais, on a combien de fer? On a 3 de fer. Je vais quand même essayer de choper quelque chose. Un minerai de fer quelque part. Voilà, je suis entouré d'ennemis, je risque de mourir. Allez, non, on va partir. Si je meurs là, je vais perdre trop d'argent. Je suis un peu déçu quand même. Mais bon, ok. Alors, on repart. Hop. Donc, effectivement, il y a des téléports qu'on pourra construire éventuellement. Mais pour le moment, j'ai pas la recette. Je crois que je peux juste utiliser ceux qui mènent vers la plage. Pour un peu de gain de temps. Ah, il faudrait que je pose... oui, ça. Il faudrait que je le pose dans notre maison. C'est juste de la déco. Hein.
sent la plante là. Bon. Déjà, on se fait nos œufs. Il faudra qu'on aille au forgeron, j'ai oublié. Pour ça. Et donc on va poser des choses. Alors toi, on a de quoi faire deux plaques de fer. Donc on va déjà en faire fondre une. Toi on va te poser là. Et donc on pose, bah toi on te pose, toi également, toi aussi. C'est quoi ça? Ah non, ça ce sont des graines. Toi tu remontes. Ça va dans le frigo. Non, pas toi. Toi. Ok. Bon, dodo, il est minuit 30 quand même. Waouh. Ah bah les melons comme d'hab. Hein. Ils sont trop longs. 9471 d'or. Waouh. Donc 18 000, plein d'argent. Alors, on a une petite lettre. Cher Dan, ce soir vers 10h du soir, hein, il va y avoir un événement rare et magnifique. La lumière de lune. Non, les... Oui, enfin, des bestioles, voilà. Elles vont passer dans le village. Des bestioles vont vers le sud et en gros ils vont passer par le village. On va tous être à la plage pour regarder. Tu ne veux pas rater cela. On se voit ce soir. Ok. Donc tu recommences. Et là, les dernières récoltes du mois de la saison de l'été. Hein. Donc heureusement, il y a plein de choses apparemment qui ont poussé. Génial. Les poppies, ça va être utile pour donner à Penny, hein, vu qu'elle adore les fleurs là. Ces dernières récoltes, ça me fait mal au cœur de les perdre, c'est celle-ci. Un peu de maïs, là où il n'y a rien d'autre, toi t'auras pas été. Attends, là-haut, non, il n'y en aura pas une autre. Dommage. Pourquoi est-ce qu'il y en a une qui m'aime plus que l'autre? Laisse-moi rentrer, s'il te plaît. Bon. On va cuisiner rapidement. Hop, c'est fait. On n'a pas besoin d'arroser aujourd'hui, vu que demain, tout va disparaître. Et on va vendre tout ça. Le maïs, on en a pas besoin. J'ai un crapote, tiens. Toi, on va te garder. Toi, on va te vendre. Toi, on va te vendre. On va te vendre. On le pose, hein. Je le mets juste là parce que. Mais je vais pas mettre d'appât. J'en ai pas besoin. Trop de choses à faire. On range un petit peu. Donc, bah, toi. On n'a plus besoin. Les fleurs. Les voici. Hop, hop. Ah, tiens, j'ai oublié de vendre lui. On va mettre le charbon. Et ça. Je crois que je suis bon. Ouais. Ah oui, non. Je dois ranger ça. Pas oublier. On aura besoin pour la bière plus tard. Et voilà.
Bon bah on est reparti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un tour sur la plage, on va visiter le forgeron. Ouais, il doit y avoir des petites choses à ramasser sur la plage pour avoir un petit peu d'argent, donc rien de... Rien d'incroyable voilà, non plus, mais bon. Donc je vais pas chercher Penny, on va la retrouver ce soir, hein, donc voilà. À la plage. Ah, ok, 10 minutes. Voilà. Donc même si jamais il est en train de travailler sur mon outil, il peut quand même... Non, ok, il peut pas ouvrir les géodes, même si... voilà, d'accord. Donc, un peu paresseux, le gars. Toi, on te prend. Et donc, on va faire un petit tour à la plage. D'accord, on peut rien faire. On peut pas aller au festival. Bon bah on va aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon on va aller à la mine. Voilà, ok. C'est incroyable aujourd'hui. L'événement a intérêt à valoir le coup. Je suppose qu'elle travaille pas. Si ? Ok, je vais juste voir donc les constructions. Ah non, pas celui-là. Ah oui, c'était 50 000. C'est quoi les autres déjà ? Ah oui, ça, pour le cheval. 100 hardwood. Il faut que je... Ouais, il me faut du fer pour améliorer ma hache, pour pouvoir choper plus de hardwood. Parce que là, au moins j'aurai mon cheval et je pourrai courir plus vite. Enfin, me déplacer plus vite, parce que là, je perds trop de temps, hein, vous voyez, aller d'un endroit à un autre, hein, ce genre de choses. Ok, alors. 45. Donc là, j'aurais bien aimé acheter à nouveau l'épée, vu que je suis à nouveau pété dessous. Mais je vais pas mal faire, c'est pas ouvert, c'est ouvert à 14h, hein, donc voilà. Ce truc là. Ah, une jade, ok, merci. Donc là, on est à la recherche de la sortie. Parfois on a du bol, parfois on n'en a pas. Ah, ok, on a du bol. Ah, façon relative. Oh, ok. Ah bah celui-là, je l'avais déjà. Il faut aller le déposer au musée. Et rapproche-toi, voilà. Donc là, c'est un endroit, oui, vous voyez, avec des monstres, ok. Ok, donc faut tous les tuer. En plus, elle s'éloigne de moi quand je me rapproche. Petit critique dans la tête de la... Une... Ok. Un chemin est apparu. Pas là. Donc on a tué tous les monstres, il y en avait beaucoup moins que la fois d'avant. Hein. Alors où es-tu? Hein? Un chemin vers le bas est apparu. Mais où?
Ah, ok. Ah oui, bah d'accord. Le gros paquet. J'ai pu claquer le clic droit dedans. Enfin, un peu de fer. Bon. Wow. Vraiment une meilleure arme. Une aquamarine. Pète les cristaux. Donc là j'ai assez pour une autre plaque. Je crois que j'ai assez encore pour une à la maison. Non, j'en ai plus pour la maison. Donc j'en ai 3 au total. Il me faut encore 7 morceaux de fer. Pour avoir suffisamment pour la hache. J'ai coupé dans ton élan. Génial. Alors, non, on a rien là-bas. On va aller au 48e. Ah, bon, génial. Regardez là. Que demander de plus? Faut faire gaffe au temps, par contre. Là on a quoi? Ah bon, on a la sortie vers le bas. Donc je vais pouvoir arriver au moins au 50e, je crois. Au moins qu'il y ait quelque chose de particulier au 49e. Qui me tue ou qui fait. Waouh, ok, là il y a vraiment beaucoup de fer, on va pas se gêner. Je préfère à la rigueur rester là quelques heures en plus et peut-être ne pas atteindre le 50e mais repartir les poches pleines parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai à nouveau un si gros filon de fer. Ok, bon, on peut repartir. Enfin, pour repartir. Allez à l'étage d'après. Là, il y a plein de coffres ici. Et on a, vous voyez, quoi qu'il arrive, on a l'échelle qui est déjà apparue. Donc, j'aurai pas de problème à partir. Si jamais je suis en danger, si jamais j'ai plus de temps, j'ai juste à zoner. Vraiment une bonne suite d'étages. J'aimerais en avoir des comme ça plus souvent. Ok. Ah! Il y a plein de monstres. Un peu plus de fer. Les 20h, il n'y a rien qui me va du côté gauche, à rien. Et ok, on va pas rester là plus longtemps. On manque un peu de temps. Et on a un coffre. Tundra Boots. Nouvelle pièce d'équipement. Et elles nous font quoi? Plus 2 de défense, plus 1 d'immunité contre je sais pas quoi. Mais c'est mieux que celle qui nous donne 1 de défense et 1 d'immunité. Donc hop, hop, on va les vendre celle-ci du coup. Et on va repartir. 0. Ah bah génial, donc du coup on a bien avancé dans la grotte, et alors, je vais acheter la
nouvelle arme à nouveau. Et là, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Alors, est-ce que je peux lui vendre? Ouais, on peut lui vendre. Ouais, on les vend. On en a pas besoin. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit avec. Alors, je veux... La clé est mort. Mais le plus 3 de poids m'inquiète, hein. Alors, testons. Ça va, c'est rapide. C'est même plus rapide que l'autre arme. Bon, bah, ok. Alors là, on doit aller à la plage. Il nous reste 1h10, ça devrait le faire. Je vois si le poids me ralentit. Alors, juste regardons. Je suis là. On peut descendre. Ok, on descend par là, je crois. Hein. Je voulais voir s'il y avait un autre chemin plus rapide. Heureusement que je suis pas resté plus longtemps. On va être un peu limite, hein. J'ai peur que si j'arrive après 10 heures... Qu'il soit trop tard. Ah d'accord, bah non, ça va, on est pile à l'heure. On va attendre les 10 minutes. Et on est parti. Alors vous êtes... Ouah, vous êtes là, ok. Plein... Le petit torche, alors on va parler à tout le monde. Bah tiens, je crois que c'était à Marnie, ouais. Faut lui parler à Marnie pour monter sa réputation, notre réputation avec elle. Est-ce que je peux... Non, je peux rien offrir, là. Ok, elle aurait dû amener sa cam... Elle aurait dû amener sa caméra. Elle veut voir les jelly. Les gelées. On a parlé avec elle. On va parler avec tout le monde. Elle lui demande quel goût elles ont. D'accord, elle est déçue qu'il n'y ait pas de buffet. Voilà. Donc je parle rapidement, hein. On est juste là pour gagner un petit peu de réputation et voir c'est quoi l'attraction. Alors, hop. Alors. Bonne soirée. Gna gna gna. Elles approchent. J'en ai déjà vu une qui brillait au loin. Une fois qu'on lance le bateau avec les... comment ça s'appelle? Avec les bougies, elles vont s'approcher du port et venir dire bonjour. Ok. Bah vas-y. Ouais, on peut le lancer. J'ai déjà dit bonjour à tout le monde. On attend. Ah, les voilà. Donc elles ont attendu qu'on ait envoyé le signal pour venir quand même. Hein. Elles ont un minimum d'intelligence. Il y a les bébés. Là aussi. J'ai pas dit bonjour à tout le monde, j'ai oublié les deux là apparemment. Ah, là il y en a une différente. C'est le chef.
Et donc une belle façon de finir l'été. Voilà. D'accord. D'accord. En gros, ils nous ont dit qu'elles sont reparties. Et donc on a fini. Et il est déjà minuit, bah dis donc. Bon, on va aller vite dormir, parce que je veux pas perdre de l'énergie demain. Vite dodo. Et maintenant, l'automne commence. On en est au premier jour. On a gagné un petit peu d'argent. Mais on l'a repayé. On a repayé l'arme. Et donc là, on va devoir recommencer de zéro. Donc, côté plantation, on va devoir chercher des nouvelles choses, des nouvelles graines. On va devoir faire quelques petits tests. Et ouais. Ouh. Ça continue. J'ai pas tout perdu. Par contre, il y en a quelques-unes, il va falloir virer. Alors, hop, que je teste bien. Ouais, elles partent. Alors, par contre, là, mon champ a souffert. Hein. Waouh! Ça a vraiment souffert. Bah, on va s'arrêter là pour l'épisode. Dans l'épisode suivant, on va améliorer nos outils. On va chercher les nouvelles graines. On va récolter à nouveau du blé. Bon, on a plein, plein, plein de choses à faire. Hein. Donc, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!